J'aimerais tant te promettre la lune. Je ne connais rien de toi, de nos chemins. Je te parle comme ça, par peur d'être sourd, muet, quand mon tour viendra. Comme je t'imagine, en jupe ou en jean, te jetant dans mes bras, se dessinent au loin les nuits qui n'en finissent pas. J'aimerais tant te promettre la lune. Cécile, ma fille. Moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils. Corps élancé, la silhouette mince, de l'énergie, le verbe haut, le cheveu court, les dents qui grincent, quoiqu'un peu mou des pectoraux. Allez voir, on pourrait jurer, voir la garçonne de Marguerite. Mais ce style si émancipé, c'était en 1918. On ne peut leur nier un bout de pouvoir, en fait on craint leur réaction. En réunion, il faut les voir, jouer les dentons avec passion. Croyez pas qu'elle soit avant, quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau avant d'aller en bacchanal. Elle ne présente pas un devis, elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour à profit. Les années écrivent sur les visages et que les ratures encombrent la page. Profitons du beau temps avant l'averse. Elle tue le temps avant l'inverse. Elle refuse et regrette. Elle est vieille maintenant. En excuse, elle répète. Elle était belle avant. Mais les plus jolies fleurs ternissent et se fanent. Les jeunes filles ont de la chance, deviennent de vieilles femmes. Journal d'Anne Frank. Hier, j'ai lu un article. Cela dit à peu près qu'une jeune fille à l'âge de la puberté se concentre sur elle-même et commence à réfléchir aux miracles qui se produisent dans son corps. C'est aussi mon cas, et ces derniers temps, j'ai l'impression de ressentir une gêne. Je trouve si étonnant ce qui m'arrive, et non seulement ce qui se voit à la surface de mon corps, mais ce qui s'accomplit à l'intérieur. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, de Catherine Pancol. À partir de quel âge devient-on bonne à jeter? Y a-t-il une date officielle, comme sur les yaourts? Qui décide? Le regard des autres, qui vous ratatine en pommes ridées? Ou le désir qui se retire et sonne le clairon de la retraite ?